Good morning, Aleid, and le titre aujourd'hui de l'Unishmat, Avram Chai Norbert Ben Fortuné Mazal, Chayabat Tova, Rachamim Ben Rosa, Avram Ben Yosef, ainsi que le Fadre Zon Ben Chamel, Amiral Ben Trasidado, Ben Yudit, Sarabat Bishir, Kordon, Chachol Israël. Société, vous aussi, dédiée à une prochaine étude de Mishnah, contacté la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sachet Bechorot, Perikhe, Mishnah Dalet. Aya Bechor Rodfo, Obeato, Vasabomum, Arezé, Ishrot, Alav. Kol Hamoumin Arouin, Ravo Bide Adam, Roim Israël, Nehemanim. רואים כהנים אינם נאמנים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, נאמן הוא על של חברו, ואינו נאמן על של עצמו. רבי מאיר אומר, חשוד על הדבר, לא דנו ולא מעידו. דו סוג'ינונות משנה, הוא כמוס את חדיר דירקטומה, היה בכור רודפו. Il y avait un בכור qui lui courait après pour lui donner un coup de corne. Moi j'ai dit un petit taureau, mais le Barthenoré, il a préféré traduire ça par un haïl, un mouton, un bélier. Je ne sais pas que c'était un dangereux, un bélier, je ne sais pas. Il faut croire que oui. En tout cas, il courait après, et en autodéfense, il s'est retourné, il lui a mis un coup de pied, mal placé, et du coup, le Bechor, il est devenu Baal Moum, il a eu un défaut. Alors, à votre avis, est-ce qu'on aura le droit de faire la Shrita à ce Bechor ou non? Ouais, c'était imaginé que c'était un Kohen qui était poursuivi. Donc maintenant, par son propre bélier. Voilà, cas type. Vous savez bien qu'un Kohen, en général, de manière générale, il n'a pas le droit, comme on va voir d'ailleurs dans le sujet de la Mishnah, On le soupçonne de peut-être par derrière de faire exprès de faire un défaut à son bélier pour pouvoir le consommer. Alors là, maintenant, il a mis le coup de pied dans la tête. Il lui a entaillé la lèvre de manière à ce que ça ne va plus pouvoir se réparer. Il va toujours le béchor, il va garder ce défaut, il va devenir invalide pour le Bet Hamikdash. Est-ce qu'on pourra égorger maintenant le béchor à partir de en se fondant sur ce défaut? Eh bien, la Mishnah enseigne que oui. Arezé ishrot alav, on pourra égorger le Bechor sur ce défaut, étant donné que c'était de la self-défense. Eh bien, voilà. D'accord. On ne va pas soupçonner qu'il a peut-être fait exprès, dans la mesure où tout le monde a vu qu'il était en train de courir après. Deuxième partie de la Mishnah. Kol amumin aruin lavo bide adam, ro'im Israël ne'emanim, ve ro'im kohanim enan ne'emanim. Je commence par traduire, après on va expliquer à un non-barthénois, que tous les défauts aptes à venir par un homme, c'est-à-dire tout défaut qu'il est probable qu'il ait été provoqué par un homme, qu'il fait exprès ou pas, peu importe, en tout cas c'était quelque chose qui a été fait manuellement par quelqu'un, eh bien, Ro'im Israël Ne'emanim, un berger Israël sera cru pour témoigner, affirmer que le défaut est venu de lui-même ou il est devenu de manière permise, tandis que Ro'im Kohanim Enam Ne'emanim, et que tandis qu'un berger Kohen ne sera pas crédible, il ne sera pas cru sur une halakha pareille. On explique d'abord le principe très général, on l'a déjà évoqué dans la Mishnah précédente, bien évidemment, mais un Bechor, donc il a une Gdusha, à partir de quand je pourrais le manger? À partir du moment où il va avoir un défaut. Mais il y a un interdit de faire ce défaut, et on n'a pas le droit de lui faire une petite entaille dans l'oreille, dans la lèvre, dans l'œil, on n'a pas le droit de lui faire activement, il y a un interdit explicite dans la Torah. Et maintenant, de ce fait, à cause de ça, dans plusieurs situations, on va craindre que, comme on a dit, qu'on a poussé mémé dans les orties, qu'on a fait exprès de provoquer le défaut au Bechor. Essentiellement, si c'est le Kohen, vous savez bien qu'il reçoit le Bechor, et lui, il doit se coltiner le Bechor pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut naturel. Et donc, de ce fait, on va souvent craindre les Kohanim de vouloir activer un petit peu le processus, faisant directement, indirectement, mais même indirectement, on avait appris que c'était interdit dans la Mishnah précédente. On n'a pas le droit de le faire passer, par exemple, dans un endroit où il y a des barbelés, où il va se faire entailler les jambes et peut-être recevoir un défaut par là. D'accord? Donc en fait, les Kohen, alors la Mishnah enseigne qu'un berger Israël, il sera cru, et un berger Kohen ne sera pas cru. C'est-à-dire un berger Kohen, si vous avez envoyé le berger Kohen avec le troupeau, et il revient le soir en lui disant « Oh là là, je te crois pas, tu me crois pas, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ça, elle est tombée, elle a dégringolé, je suis parti la ramasser, voilà, bon, prochain, elle est sortie intacte, mais regarde, elle a juste gardé une petite entaille dans l'oreille. » Eh bien, il ne sera pas cru de me dire que ça s'est passé tout seul, je le soupçonnais de lui faire lui-même cette entaille. Voilà ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Le Barthenoré précise un petit peu mieux. On parle même d'un berger Israël qui travaille chez un Kohen ou d'un berger Kohen qui travaille chez un Israël. Dans tous les cas, l'Israël sera cru, le Kohen ne sera pas cru. Je m'explique, il y a deux cas de figure. C'est simple. Moi, je suis Israël. J'ai un berger Kohen. Maintenant, Kohen, il va revenir en me racontant que, histoire mirobolante, extraordinaire, pas. Le bélier, il a eu
Il s'est fait une petite entaille dans l'oreille sans faire exprès et ça a été purement. Ok, voilà ce qu'il me raconte. Maintenant, a priori, on aurait pu croire que qu'il sera cru, il témoigne, mais ça ne concerne pas à moi. C'est-à-dire, ça ne concerne pas lui, ça concerne à moi. Moi, après, je serai libre de faire ce que je veux avec mon béchor. Je peux le donner à mon cousin Cohen, pourquoi je ne vais pas forcément le donner à mon berger. De ce fait, on aurait pu croire que le berger, il n'est pas tellement concerné, il n'a pas tellement de cause personnelle à défendre dans l'histoire. Donc peut-être qu'il aurait pu être cru. Et la Mishnah lui m'a enseigné que non. Parce que naturellement, si j'ai un berger Cohen et que lui, il est parti lui faire paître, il est fort probable que naturellement, je vais vouloir le lui donner. Donc lui, il va, en tout cas, se dire que ça vaut le coup de me raconter qu'il y a eu un défaut, puisque probablement je vais peut-être lui donner un bélier à manger, et ça va lui faire bien évidemment un petit 1500 shekels avant les fêtes de viande. Je ne sais pas combien ça coûte, combien de viande à tirer, mais imaginez une bonne quantité de viande à tirer, peut-être qu'il va être intéressé par ça. Donc de ce fait, il ne sera jamais cru, même si ce n'est pas son troupeau à lui, c'est le troupeau d'un Israël. Inversement, un berger Israël, lui, il n'a pas d'intérêt pour le troupeau, ça ne le concerne pas à lui, c'est vrai, mais son propriétaire, il est Cohen. Et si le Cohen, vous savez bien, on a déjà appris ça, que le Cohen, quand il a déjà reçu le Bechor, lui, quand ensuite le Bechor va avoir le défaut, il va lui faire la Shrita, eh bien, le Cohen aura le droit, même s'il veut, de donner à manger à Israël. De ce fait, si moi je travaille chez le Cohen, et que je lui rapporte un bélier, un petit taureau qui a eu un défaut, je lui dis ça s'est passé naturellement, il n'y a pas de fautif. On aurait pu croire que cette fois-ci j'ai un petit intérêt, que comme ça, ça va... Lui, quand il va lui faire la shrita, il va me donner de la viande à manger, c'est sympathique. Pour Shabbat, j'aurai des bonnes grillades, j'aurai de la bonne viande toute fraîche. On aurait pu croire que dans ce cas-là, j'ai de nouveau, je suis concerné, j'ai des intérêts. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que malgré tout, non, je serai cru parce que pour le peu de viande qu'il va me donner, même s'il va me donner un petit peu de viande pour Shabbat, je ne vais pas, moi, m'engager dans un interdit tellement grand, tellement grave, de témoigner à tort en plus, pour ensuite avoir un si petit intérêt. C'est sûr que quelqu'un normal, un juif normal, il n'aura pas de tentation dans ça, donc le berger Israël serait cru. Voilà. Maintenant, la Mishnah demande de conseiller qu'un Cohen ne sera pas cru pour témoigner sur le troupeau. Sur ça, il y a une double discussion. Il y a encore deux autres avis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ne'eman hu al shel chavero, veno Ne'eman al shel atzmo. Rabban Shimon ben Gamliel vient et me dit, non, tu sais quoi? Pour toujours. Un Cohen n'est pas cru sur son propre troupeau, mais il sera cru sur un troupeau de son voisin. D'accord, c'est clair, ça veut dire, si je suis Cohen, je pourrais témoigner que j'ai vu que l'animal de mon voisin, elle est tombée naturellement et puis elle s'est faite cette entaille dans l'oreille. Je pourrais témoigner, même si je suis Cohen, parce que c'est pas mon animal à moi. D'accord? Tandis que Tanakama, le premier avis de la Mishnah, on a vu qu'il a interdit, puisque le berger Cohen, il ne peut pas témoigner sur l'animal qui appartient à lui, qui appartient à Israël, de peur que l'Israël va lui donner à manger. Et là, sur ça, Rabban Shimon Gamliel vient, il nous dit non, grande règle générale, un Cohen, tant qu'il ne témoigne pas sur son troupeau, sur son propre troupeau, il vient, il nous raconte que, sur les bêtes qu'il a reçues pour lui, il nous raconte qu'il y a eu un accident, là on ne le croit pas, mais si il vient et témoigne sur que les bêtes de son voisin ont eu un troupeau, eh bien il sera cru. D'accord? Première discussion. Deuxième discussion, nouvel avis, là ça va devenir plus délicat, parce que ça ressemble beaucoup à Tanakama, il va falloir comprendre exactement c'est quoi la différence. Il y a un petit Barthénora et un super long Tosotium Tov. On va faire ça rapidement. Rabbi Meir enseigne. Echashud ala davar lo dano velo mido. Une phrase qu'on avait vue à la fin du Perek d'Alet. Je crois que c'est la dernière phrase du Perek d'Alet qu'on avait vue exactement. Kol echashud ala davar lo dano velo mido. C'est l'avis de Rabbi Meir. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Meir, mais comme Rabban Gamliel. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit toute personne qui a un intérêt, même par derrière, même indirect, eh bien, l'odano, donc il va être soupçonné de mentir, eh bien, l'odano velomido, il ne pourra jamais ni juger sur cette chose-là, ni témoigner pour cette chose-là. Toute personne qui est chashoud, qui est soupçonnée de transgresser un interdit, que l'on craint qu'il va transgresser un interdit, d'accord? Ça, c'est une généralité qui nous pose, ça implique plein de choses. C'est-à-dire que si, par exemple, moi je suis chashoud de manger pas cachère, je ne pourrais pas témoigner que le magasin de Reuven, il vend de la viande cachère. Parce que je suis chashoud à la d'abord. C'est une grande règle, c'est une grande discussion, c'est très vaste dans le geste. D'accord, ça c'est général pour le témoignage. Tu es soupçonné de transgresser, tu ne pourras pas témoigner même pour quelqu'un d'autre. Et ça se rapporte sur notre Mishnah justement, donc que le Kohen, puisque le Kohen on le soupçonne que peut-être qu'il va faire exprès de mettre ce défaut dans le Bechor, dans ce cas-là il ne pourra pas témoigner même pour son copain. D'accord, même pour son copain Kohen, parce que tu es chashoud à la d'abord.
Maintenant, on a un problème à comprendre. Donc, il s'avère que Rabbi Meir, il va nous dire, donc, finalement, on revient sur la Mishnah, Rabbi Meir m'enseigne que le berger Cohen ne peut pas témoigner. Ben, c'est exactement l'avis de Tanakama. Où est-ce qu'elle est la différence? La différence sur ça, ça devient plus délicat. Il y a deux avis. Barthénor, il a proposé une chose, et que toi, Sosyom Tov, notamment, et lui, rentre dedans très fort, pour ensuite proposer un autre pirouche. Le Barthénora, selon le Barthénora d'abord, attendez, j'ai un peu perdu le fil de mes idées, quand je viens de faire le Oui, Rabbi Meir, lui, il est venu en fait, selon le Barthénora, la différence, elle va être comme ça. Ça va parler de deux témoins. La question, c'est ce qu'on fait avec les deux témoins. Il y a eu Tanakama, c'est-à-dire la Mishnah, elle parle du cas où il y a un seul témoin, Cohen, qui n'est pas cru. Le Barthénora, Tanakama, il nous a dit, pas cru. Et Rabbi Meir vient dit, tu ne peux pas juger, tu ne peux pas témoigner, donc pas cru non plus. Mais, de la manière de s'exprimer de Rabbi Meir, on va donc déduire qu'il y a en fait une petite discussion nuancée. Selon le Barthénora, la discussion, elle va être quoi? Elle va être que d'après Rabbi Meir, il va falloir malgré tout deux témoins pour témoigner. Pour n'importe quel Bechor, il faut témoigner, il faut deux témoins. Comme ça, le Barthénora y apporte. Serchnei menashuk laidvo. Tout Bechor qui a eu un défaut, il va falloir nous apporter deux témoins pour témoigner. C'est-à-dire, selon Tanakama, lui, il a parlé, un berger Cohen n'est pas cru. Donc, un berger Israël, il sera cru. En fait, il discute évidemment directement sur ce qui est écrit sur le berger Israël. Et Rabbi Meir vient dit, non. De toute façon, si tu veux déjà parler du Cohen qui est inapte à témoigner, il faut parler qu'ils sont deux. Et me dire que les Cohen, ils ne peuvent pas témoigner même quand ils sont deux. Parce que pour l'Israël aussi, il en faut deux. Ça, c'est comme ça que Barthénora, il explique. Le Tosfos Yom Tov rallonge beaucoup pour prouver que ce n'est pas le pshat. Et il explique, on a un super résumé très simple dans le Tiferet Israël, qui nous explique que non, et la discussion elle est autre. Que d'après Tanakama, le berger Cohen, lui, ne peut pas témoigner parce qu'il est concerné. Mais s'il était externe à la situation, un berger Cohen qui va témoigner sur le troupeau d'un autre qui n'a aucun rapport avec lui, il pourra témoigner. Tandis que Rabbi Meir, il nous dit non. Tout Cohen, puisqu'il est soupçonné de manière générale, même pour ce qui le concerne à lui, eh bien, il ne peut plus se prononcer sur telle chose. D'accord? Et il rapporte encore de Tekamad Davkar et Cohen et Neneman. Ah, et donc, d'accord, j'ai un peu faussé. C'est pas faux non plus. Mais en tout cas, le Cohen, il y a encore un autre cas. Il y a deux choses. D'après Tanakama, d'après le Tosfot Tov, Tiferet Israël, en fait, un berger Cohen ne peut pas témoigner, mais deux Kohanim peuvent témoigner en tant que vrai témoignage. Pour croire un seul. La particularité de notre halakha, c'est que même un seul témoin, il est cru. Normalement, il faut deux témoins. Pour le Bechor, ça suffit un seul témoin. Les Kohanim, ils n'ont pas cette possibilité de témoigner tout seul. Mais si on va avoir deux bons Kohanim qui vont venir témoigner, ils seront crus, d'après Tanakama. Tandis que d'après Rabbi Meir, il est inapte à témoigner. Il est invalidé parce qu'il a un intérêt à défendre dans l'histoire. De manière générale, il a perdu sa crédibilité à cause de ce qui le concerne. Il ne peut plus se prononcer sur la chose-là. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine. D'Atzlacha Kol Tov. Salam.